Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle balade moto sur les petites routes du Vexin. Bon, faut que je vous dise un truc, la destination d'aujourd'hui a été décidée sur une méga envie de rouler. J'ai donc posé la souris, éteint l'ordi et hop, direct sur la moto. Direction le domaine de Villarceaux et ses jardins. Pourquoi Villarceaux ? Ben, ça fait un paquet de fois que je passe à côté sans prendre le temps de m'y poser. Et crois-moi, tu vas pas regretter la balade. La route est super sympa, facile et les jardins, tu verras bien en fin de vidéo, je t'en dis pas plus. On part de Drocourt par la D983 direction Villers-en-Arty, par la D143 et la D142. On quittera en partie la D142 pour longer le golfe de Villarceaux et on reprendra cette départementale un peu plus loin en direction de Chaussy. Allez, on passe le petit village de Villeneuve. Ouais, il n'est pas décidé à me laisser passer celui-là. Villers-en-Arty, il y a bien un château que l'on voit au loin, mais disons qu'avec le CBF, la rue du château, c'est pas ça. Faudra quand même que je me renseigne pour y aller un de ces quatre.
Comme je te le disais, on quitte la D142 pour prendre cette petite route boisée qui longe le golfe de Villarceau. Prends à gauche pour arriver au bas du domaine, sinon tu arrives direct à l'entrée. Petite halte au bord de l'étang de la Vinette. Au fond, tu aperçois la tour Saint-Nicolas. Allez, on reprend la D142 qui longe l'étang et le domaine. Ça te donne une petite idée des lieux. On traverse Chaussy, direction Magny-en-Vexin, pour rejoindre l'entrée principale du domaine. We'll be right back.
Après cette partie pas trop intéressante, on quitte la D171 en direction de la Comté. Pour les fans de Tolkien, non, il n'y a pas de Hobbit. Passé ce portail, on entre dans le domaine de Villarceau. Classé monument historique, il date du XIIe siècle. Tu te doutes bien qu'il a vécu de nombreuses vies. Pour la faire courte, au XVIe siècle, le domaine a été agrandi et devient entre autres une résidence de plaisir. Au XVIIe, il abrite les amours du marquis de Villarceau et de Ninon de l'Enclos, courtisane et femme de lettres. Depuis le début des années 90, le Conseil régional d'Île-de-France a entrepris sa restauration. Résultat, les jardins sont labellisés « jardins remarquables » et « espaces verts écologiques ». Pour entrer, il te faut juste un pass sanitaire, du moins au moment où j'ai tourné cette vidéo. Et c'est tout, l'entrée est gratuite, donc tu aurais tort de ne pas y poser tes roues. On arrive au parking. J'avoue, j'ai un peu jardiné. Bref, fais pas comme moi, descends tout droit jusqu'à la dernière allée. Là, tu seras au plus près du domaine. J'ai parcouru les jardins, mais sache que tout se visite. Allez, je te laisse admirer et je te dis à la prochaine. Au passage, si tu as aimé, like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi laisser un commentaire et t'abonner. A plus, et fais gaffe sur la route.